fait particulièrement froid ce matin. Enfin, froid. On est à 14 degrés. Mais tu sens là qu'il fait frais. C'est bientôt l'heure de rallumer le chauffage. Bon, et dehors. En fait, quelque chose me dit qu'on va faire un transfert de vêtements. On va passer sur les vêtements un peu plus divers. Alors pour l'instant, ouais, tous les matins, j'ouvre quand même parce que aération obligatoire. Ah, les petites odeurs de café. En fait, c'est mixé entre odeur de café et les vaches. Et un peu de forêt là. Eh bien, on avait dit qu'on allait faire du pain ce matin parce qu'il n'y a plus de pain. Alors, pour la recette, rien de très compliqué. Allez, 5 cuillères à soupe, s'il vous plaît. Levure chimique, parce qu'aujourd'hui, on veut que ça monte rapidos. Enfin, levure boulangère, plutôt. De l'eau tiède. Je vais rajouter un peu de sel et je vais y mettre aussi des graines mélange pour salade. En fait, il y a des graines de courge, pignons de pin et graines de tournesol. Et après, on y va avec les bimines. Tu vois, en gros, ça me fait une pâte quoi. Voilà. Basse température. Et là, on va y ajouter, ça sert à rien que je te montre le pot, tu sais, de la semoule, mais très très fine. Pourquoi? Eh bien, simplement pour pas que ça accroche à la poêle, parce que c'est une vieille poêle. Et j'ai pas envie de mettre de papier ou quoi que ce soit. Des fois, t'en as aussi dans certaines pizzerias où t'as des graines en dessous. Ben, c'est exactement la même chose. Une espèce de poudre, hein. Voilà. Tac, 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 tac. Maintenant, on la transforme légèrement en crêpe. Et on pose délicatement. Et voilà. Donc là, bah, tu vois, ça n'accroche pas. Voilà. Voilà, tu vois. Rien de compliqué. Hein. Là, on voit encore la graine de courge. Épaisseur est sympa. Voilà. Ça me fait mon petit pain pour ce matin. Et Huggy, les bons tuyaux, ça là, tu sais, quand il y a encore, bon, il n'y a pas grand chose, mais quand tu as de la farine, quand tu fais par exemple, tu vois, hier soir j'ai fait des pâtes fraîches, des pâtes maison, ben t'as le saladier là qui est plein de farine, ça colle, c'est dégueulasse, ça bouffe beaucoup d'eau pour nettoyer. Et ben tu nettoies pas? Non, ça veut pas dire qu'il faut le laisser sale. Ce que je veux dire, c'est que tu le laisses par exemple à l'avant, ça sèche et ça devient une croûte. Et après tu l'enlèves avec la main, c'est comme une poussière, ça part. Et tu prends un petit filet d'eau après, et c'est propre. Tout est calé. Bon, ben on peut partir chez la dame de Haute-Savoie. Ça fait stylé ou pas? Un petit pouce si ça fait stylé. Non, parce que tu vas pas mettre de pouce. C'est le souvenir que ma fille m'a laissé. Je crois qu'elle l'a oublié. Elle sait même pas qu'il est ici. Mais moi, je vais le savoir. Elle va me regarder tous les jours. Je vais trouver un emplacement et comme ça, elle est tout le temps avec moi. C'est comme si c'était ses yeux, en fait. Tac, tac, tac. Bon, GPS programmé, 2h39. Ok, là-haut, ça tourne. Là, derrière, on est bon. Bon, là, il m'indique moins 6 degrés à l'arrière. Je pense qu'il y a quand même un petit souci. Mais par contre, 16 degrés, ça, c'est bon. Allez, on se casse. J'ai tellement hâte, là, d'être chez la dame de la Haute-Savoie.
viens d'arriver sur le lac d'Annecy. Je viens de me trouver un spot là, un petit peu à l'arrache. C'est le genre de spot, tu vois, il y a quelques temps de ça encore en arrière, quand j'avais pas encore mon mode de vie nomade, je me serais dit, oh là, il faut pas rester ici. Tu sais, avec des vieux camtars presque... Tu dis, tiens, ils sont louches, tu vois. Et en fin de compte, je viens de discuter avec un mec, Bertrand, qui est mon voisin, on va dire, et qui a l'air cool. Maintenant, on se connaît pas, hein, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance. Je suis arrivé, il y a tout de suite un mec qui voulait me donner un tuyau, un autre qui est venu qui m'a dit, tiens, je te laisse la place. Bertrand qui vient, qui me dit, ce soir, si tu veux, on se boit des bières, des machins, enfin, lâcher prise, quoi. On est hors saison, enfin hors saison, on va dire ça quoi. Il y a toujours autant de monde, quoi. Enfin, il y a quand même pas mal de monde, non? C'est marrant, mais en fait, j'ai l'impression d'être. Un petit peu à Strasbourg là. Quand tu vois derrière, ça ressemble presque à Strasbourg. Ou à la petite France. Il y a juste derrière là où c'est pas Strasbourg. Mais bon. Par contre, le cycliste est un truc de ouf. Il y a trop de cyclistes. En fait, c'est le bordel entre les cyclistes et les piétons. Et les voitures. Nombre de cyclistes qui se prennent la tête parce que l'autre il roule à droite, l'autre il roule à gauche, parce qu'il y avait un piéton sur la piste. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu autant de cyclistes et en plus se prendre la tête. Là tout de suite à chaud, ouais, je suis pas ouf hein. C'est surpeuplé, il y a trop de monde, trop de voitures, trop. C'est la ville quoi. C'est pas pour moi. Je vais me barrer. Mais il fallait le voir. Le lac est joli, on a fait le tour de la vieille ville, mais bon, moi là quoi, trop de ville pour moi. Bon les amis, j'ai pris un peu d'hauteur, il fallait que je quitte la ville là, c'est pas pour moi, Annecy c'est ouais, trop ville, j'avais l'impression d'être à Strasbourg en fait. Et là on est à Semnoz, c'est une dinguerie, le panorama là il est ouf. Bon par contre j'ai troqué le short contre... un bon gros jogging et tongs contre des baskets, ouais, avec des grosses chaussettes. Ça caille mon pote. Mais le panneau ici, pouah, c'est un truc de taré. Et t'entends les cloches, t'entends? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Journée qui commence après ce petit lever de soleil ce matin à la fraîche. Il faisait bien frais ce matin, très frais même. Donc là je me prépare tranquillement, je vais passer devant chez Léa. Alors Léa c'est une nomade qui est stationnée juste à côté, on a fait connaissance hier soir. Et du coup là on va se faire une petite balade histoire de voir ce qu'il y a autour. J'y connais rien moi. Donc et elle en plus elle est d'ici, donc
Elle connaît mieux. Bon, c'est bon. J'ai les gants, j'ai le bonnet. Oh là, il fait déjà meilleur. Il y a du soleil. Mais il y a pas mal de monde. Il y a vraiment pas mal de monde. Quand on me dit que j'ai la tête dans les nuages, c'est même au-dessus des nuages. Moi derrière. Et juste là, t'as le Mont Blanc. C'est bon, ça tourne, tu peux y aller. Tiens, arrête-toi pour manger un peu d'herbe, ça va faire classe. Petit apéro, profite tant qu'il y a encore du soleil, parce que quand il n'y en a plus, on gèle. Mais bon, le paysage est quand même aussi gain, c'est un truc de fou. Et il y avait Nito et Benito 2. Délire, non? Avec la chatière. Qui c'est ça? Bonjour. Oh, ça tremblote. Ah ouais? Je crois qu'elle hésite entre aller dehors, se promener ou rentrer. On sait pas. Tu fais quoi? Tu vas te promener? C'est bien. Bravo! La vue toujours aussi agréable, que ce soit derrière ou bien sûr devant. C'est calme ce matin. Bonjour. Bonjour. Bon ben, comme d'hab, le petit pain qui va bien. Toujours une dinguerie. On se fait un petit peu d'eau pour le café. Et petit déj.